Sério, isso aí, mano. Nice. Le baron quoi, je peux t'aider? C'était pour prévenir que du coup il fallait que je voie avec je crois que c'était Wesley que j'avais vu hier pour, tu sais, pour le pack son. Et faut que j'active, j'ai désinstallé, j'ai réinstallé FiveM. Et en fait c'est au moment tu sais le fichier je sais pas si t'as déjà vu la vidéo. En fait le fichier WinRAR d'un mot il s'appelle le pack son FNL. Et moi il reste et moi c'est pas ça. Donc je comprends pas. Voilà. Donc, c'est parce que au cas où je voulais te prévenir, au cas où si je vois pas Wassé dans la soirée, un truc comme ça. Donc ça je comprends pas. Voilà. Ok, ok. Bonne journée à toi. Et à plus. À plus.
Oh! Je suis crevé, les gars. Toi. Et bien salut à toutes et à tous les amis. Les gars, je suis en train de faire un nouveau truc, donc si je fais un, c'est normal. Hello, j'en suis sur le live. Excusez-moi, je fais juste un petit truc pour un pack son et puis j'arrive. C'est Morito de la. La chaîne Paris Life. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nouveau petit tutoriel, les gars. Tutoriel comment mettre les sirènes françaises sur votre jeu. Attention, je vais faire confiance là-dessus. Donc vous allez atterrir donc sur cette page. Une fois que vous allez atterrir sur cette page, vous ferez un clic droit le dossier. De préférence, c'est Winrar. Voilà, télécharger encore en description. Donc vous aurez besoin du télécharger, enfin du fichier à la fichier au fichier par 5M3 sur l'emplacement du 5M single player qui nous occupe. Laisser l'application data de côté et on va double-cliquer sur le pack graphique. Là vous avez deux dossiers, un dossier 5M et un dossier GTA 5. Vous allez double-cliquer sur le dossier 5M. Là vous pouvez voir que dans ce dossier il y a un dossier Citizen
Et sur Une le hydrox. dossier de source, vous pouvez voir aussi qu'il y a un dossier Citizen. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous allez devoir prendre ce dossier et le glisser à l'intérieur. Une fois que c'est fait, bon moi, vu que je l'ai fait, ça me dit de remplacer les fichiers. Mais si vous avez exactement la même chose, remplacez les fichiers. Sinon théoriquement il n'y a même pas le message. Les gars, je vais passer en intermission et je vais faire mon playgame pour faire un truc. Qui s'affiche. Une fois que c'est fait, 5M, c'est fait. Donc maintenant on passe à GTA 5. GTA 5 c'est exactement pareil. S'il est sur votre bureau, vous faites un clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier et vous allez atterrir ici. Donc ça c'est la source de votre jeu. Donc on laisse la source du jeu de côté. On va sur le dossier du téléchargement. On va sur GTA 5. Là on voit un dossier X64. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement comme 5M. On prend le dossier et on le glisse à l'intérieur. Donc là, moi, ça me dit encore de remplacer. Je crois que là aussi, ça vous demandera de remplacer. Alors là, c'est normal, vu que aussi, je suis en jeu. Ça m'aide pas vraiment. Et une fois que ceci est fait, les potes, bah, vous touchez plus à rien. Vous pouvez tout fermer. Et c'est bon. Une fois que vous serez sur 5M, donc pour le coup, je vais super bien comprendre. Ok, les gars. Excusez-moi pour l'écran bleu. Salut les Limonenseurs, lance-toi 5M s'il te plaît. Pour accueillir l'air du citron comme il se doit. Dans cette ère où prendre soin de soi devient un must, rien de tel que de se faire plaisir avec le citron d'Europe. Un aliment riche en vitamine C qui figure parmi les plus durables. Alors, avant de continuer à danser collet serré, allez faire un tour sur notre compte Instagram. Vous y trouverez des tas de contenus qui vont vous surprendre. Entrez dans le Limonage avec les citrons d'Europe. Enjoy, it's from Europe. Je vais faire un test, les gars, sur mon serveur. Enfin, sur le serveur où je suis staff. J'ouvre mon ASN, les gars. Voilà. Je suis même pas la moitié.
Ouais. Ouais, ça Ah, c'est va? vous? Ça va et vous? Ouais, et Ça va? toi? Ça va, ça va. Tranquille. T'as pas mal au ventre?